nouvelle, gros nouvelle que nous portons pour vous sur Chanel Pola, TV la caille Haïti.com. Nouvelle dans bon timamite, nouvelle sans voie montée, nouvelle confirmée, mesdames et messieurs, sous commune. Eh bien, Akaye, après nous connaître les talibans, même colonne vivant ensemble, te fin pote bourré dans Akaye, nous pensons que c'est Port-au-Prince, nous pensons que c'est Gressier, nous pensons que c'est Latibonite. Eh bien, il y a le pote bourré sous mon Akaye, ça autant de, mesdames et messieurs, la police et la population, dans tête collée, eh bien, gagné pour pipiti 50 nègres qui déjà al joine baon. C'est pas nous qui dit, nous allons inviter à gagner plus de détails avec eh ben citoyen ça dans ville Akaye qui pral di nous comment bagay était parce que l'étape réagi sous et journal la première occasion mesdames et messieurs radio télévision Caraïbes nous allons inviter tande monsieur tap en pile détail concernant eh ben et gros victoire ça que moun et Akaye même yo fait ak la police côté eh ben gagne 15 l'autre qui était sur un petit bateau qui t'a rentré eh ben égal monter sur un récif sortant des bateaux à chavirer tous les 15 nèg sa yo déjà al jeune baron et zam tombé dans la mer eh ben jodi là et ça yo compté qui tombé à terre dans la rue Akaye mesdames et messieurs eh ben gagne une vingtaine et gagne un paquet l'autre qui eh ben la police brisé nèg sa yo en bas tout rage la police a marché nèg yo prend nèg yo parce que population k'ap montré la police mes côtés pour faire mes côtés eh ben gagne environ 50 nèg selon citoyen ça que nous pas fort tendre là dans ville Akaye. N'a faut coup de patte dans le département Latibonite là précisément mesdames et messieurs dans localité ça vient et ben nous connaît et ben gagné petit monsieur Kenya avec la police qui ont même a mené une opération garçon pas campé en bas et ben côté yo arrivé dans fief gang kokorat sans race là et ben yo démantelé yon poste nèg yo té meté té gen paquet soldat nèg yo gen on paquet kaimoun yo volo qui a et ben serré ko yo en dedans pour capable kidnapper moun et tirer sur moun touyer moun faire tout ça ou vle et ben la police débarqué mesdames et messieurs garçon couri zam tombé et yo crasé kay et ben c'est comme ça la police prend contrôle situation mesdames et messieurs dans la Croix-Péris dans base des cocorates sans ratio nous va inviter tout détail avec dame ça qui dit même dans département qui souvent a dit comment bagay yo passé ça gagne qui ça la police fait pourquoi on a parlé là c'est la police qui contrôle zone ça côté négoti mettre un chef gang ak pile soldat a créé panique dans département on écoute pour plus détails TV la Haïti.com n'a tout continuer parler insécurité nous pour aller Akaye puisque gagné information qui fait croire t'a gagné plusieurs dizaines bandits qui est tombé dans échange coup d'armes à la police c'est ça à Wilner à René point focal protection civile dans cité drapeau a rapporté et nous gagné ensemble avec nous matin Wilner René bonjour. Bonjour peuple haïtien, bonjour mon Akaye, plaisir matin pour échanger avec nous sur la situation qui a évolué dans le pays d'Haïti, notamment dans la commune d'Akaye depuis lundi 21 octobre 2024. Là, des hommes lourdement armés déplaqués dans la commune, non, et surtout dans la zone Bessie, et qui est une zone limitrophe entre Akaye et Cabaret. Et ils ont commencé à faire un pile de dégâts et boule caille, et faire un pile de monde qui était caillé. Mais la police et la population mettent ensemble pour comment est-ce qu'ils sont capables de gérer la question, gérer la situation, malgré et la police, même en petit nombre, effectif là, pas vraiment élevé, et manqué matériel, mais il y a une unité qu'il a, effectif qu'il a de constater la population, mettent ensemble pour comment est-ce qu'ils sont capables de contrecarrer et bandit ça. Et pour moi, on a parlé là, comment la situation est. Et pour le moment, on a parlé là, et même j'ai entendu l'introduction, et depuis avant, il y a la police avec la population mis ensemble, la police a fait échange avec Bandio, donc il y a plus de ladins qui tombaient, en plus de ladins qui tombaient, plus qu'environ cinquantaine déjà tombés, dans divers coins, mais environ cinquantaine de bandits tombés et dans divers coins, et ça, c'est capable de partiellement bilan la police, arriver fait. Par rapport avec l'échange, résistance la police fait avec Bandio et population qui accompagne eux, parce que la population est dans tout, capable de coin, dans tout en babanan, même y a orienté la police, aidé la police, ouais, et les messieurs eux-mêmes, ils ont fait route en barrage, route dans le corridor. Pourquoi comment est-ce qu'ils ont poussé ou tourné dans la zone côté où ils sont sortis, parce que
Arcahaye est une commune historique, une commune stratégique, une commune mystique. Donc, nous ne sommes pas capables de quitter la commune et tomber à bas bandit. Donc, c'est l'identité pays. Malheureusement, monsieur, pas tenu compte de ça. Il n'y a pas qu'on valait pays, il n'y a pas qu'on identité. Il y a ce type pour attaquer Arcahaye. Donc, énergie yo, et énergie positive, yo, avec la police, la population a aidé nos météorites. Et comment nous capables de déchiffrer, en tout cas, chiffre ça, il peut se passer une cinquantaine de bandits qui tombaient, et il y a parlé non de un petit bateau qui était un bandit à Bali qui t'a porté munitions et renfort par l'équipe qui était sous place, qui fait naufrage. Évidemment, et dans la zone, alors la mer, dans la zone royale, dans la zone Saint-A, et on a traversé pour porter les cartouches sur une zone et on est capable de le lire des hommes lourdement armés ou même qui ont déjà commencé à épuiser. Et bien ils ont rencontré avec un récif et dans l'échange il a dit il a parlé avec l'autre allié à tel des sorts et puis mais nous frappé dans le récif là et puis comme ça ils ont plongé avec toutes munitions examen ils ont porté donc c'est environ une quinzaine et petit parti ça les mêmes les plonger donc entre autres et 22, mardi dans 22, dans l'après-midi, donc groupe qui était APC rentré vite là, et bien, population a alerté la police, orienté la police, et bien, il y a plus que 22 qui étaient tombés, et sans compter l'autre grain qui tombait à terre, et dans l'échange, dans la rue, donc malgré une stratégie, ils ont fait une couverture, ils ont pris un coyo, parce qu'ils ont toujours gagné avec leur motocyclette, ils ont toujours gagné avec leur machine, dans toute bataille à mener, mais la police quand même frappé en pile. OK. Après ça l'autre chiffre ou donc bandit ça yo mouri dans quelle zone comme ça. Donc on a dit il est tombé dans zone Thomas Vigné et Carrefour-Poix. Et c'est dans zone ça où il était plus à faire résistance avec la police et puis c'est dans zone ça où tombé. C'est dans zone ça où il y a un pile de gars et au boulet un pile caille et au boulet machine de 20 sous. Donc tout ça revient sous tout. Mais tu fais la donne et un pile de gars, constate on a dit deux tiers de la population sont déplacés. Alors, et grand monde, petit monde a fait femme, alors mon en troisième âge, déplacé, monté dans la section communale. Pourquoi on a parlé là? Malheureusement, pas d'infrastructure sanitaire, pas d'infrastructure sanitaire. Pas gain de l'eau potable dans la section communale et aucun partenaire par exemple grivé depuis les 10 premiers batailles ont commencé avec nous c'était le 10 ils ont fait un poser il y a le renforcé tête retourné aucun partenaire qui n'irait apprendre mais pour que faire échange même l'état ici au plus haut niveau pour que même pour te qu'un support avec les gens qui ont une situation vraiment critique et pendant qu'on a parlé là on a dit encore la police a fait résistance mais il y a un petit nombre donc nous besoin support l'armée d'Haïti qui nous connaît là donc une force militaire nationale là dans qui là nous pas représentation et monsieur il a progressé et graduellement et pour comment il est arrivé sur nous parce que chaque l'air est tombé ça pas empêché que il a renforcé tête parce que il est riche en ressources humaines il a renforcé tête et comment il est capable d'atteindre une commune mais jusqu'à présent j'en ai dit là pour la police avec la population a mis des têtes ensemble pour comment est-ce que ils sont capables de faire résistance, pousser en attendant que l'État central là, des héros lui-même, ou bien ou l'état-major police là, ou comment est-ce que sont capables de renforcer l'équipe là et ben nous, et possibilité pour nous pousser et même quitter l'arrondissement parce que Akaye Cabaret, c'est des ailes de même oiseau, c'est parce que tu es siégé Cabaret qui fait que il y a une possibilité, je dis, hein, pour est-ce qu'ils sont capables de tout prendre arrondissement qui c'est Akaye et qui c'est chef arrondissement. Donc, c'est une bataille, ça nous est là. Et pendant que je parle avec vous, il y a un problème de signal. On a lancé un SOS avec les compagnies de télécommunications pour regarder comment est-ce qu'on est capable d'alimenter les zones avec signal. Ça a vraiment critique. Les populations ont gardé ça à l'aide. C'est chaque fois après avoir gagné des gens de ZAC, ça a annoncé des zones, notamment à Arcahaye. Et puis, c'est le tombé, n'a comme tombé. Donc, c'est parce que nous avons gagné son wifi, là, son côté me camper, pour comment est-ce qu'il est capable d'échanger avec Radio Caraïbe et sous sa capacité à gagner. Oui. Alors, il y a une information qui fait quoi que tu as gagné un renfort qui t'a parlé jeune la police, là. Et monsieur, tu as vidé un camion roche sur route, là, dans une zone sous mat là. Et également, tu as coupé pont Bethel, là. Et après, tu as mis des bails sous les. Comme une sorte de piège pour la police nationale d'Haïti. Est-ce qu'on a des informations sur ça également? Oui, dans la matinée, il y a deux chars qui descendent
et renforcé nous, malheureusement, et messieurs eux-mêmes, ils ont campé tiré avec Chayo, ils ont mis roche dans la route là, et en plus, un pont était là, c'est cabaret, et messieurs ont crasé et censé briser le pont pour empêcher que la police passe. Mais il y a de l'autre moyen, il ben, y a une voie maritime que la police a utilisé, la mer a utilisé, et il y a une voie aérienne dans tout, qui a utilisé, même gens avant hier, ils ont porté des renforts avec l'unité qui l'a eu, c'est pas voie aérienne dans l'hélicoptère. Donc, je pense que l'État a gagné l'autre moyen de transport pour être capable de arriver à jouer une population, pour supporter la population, pour aider à mettre les malfrats à eux dehors, qui eux-mêmes, on est capable. Une sale image pays, parce que l'on dit Akaye, la cité du drapeau, c'est l'identité pays d'Haïti. C'est là qu'il y a une devise pays, vous comprenez, l'union fait la force. Oui, donc, je dis, on a une situation vraiment difficile. Oui, on a pas fini. Et chiffres, une cinquantaine de bandits qui tombent, c'est des chiffres qui sont vérifiables? Donc, approximativement, nous sommes capables de dire en cinquantaine, parce que lundi, il y a 15 qui tombent, il y a l'autre 22, il y a environ 10 à 15 encore qui tombent dans la rue, hein, qui sont capables de constater. Et dans le moment où je suis tapé, c'est élevé. Donc, approximativement, environ cinquantaine qui tombent, malgré tout, il y a des gens dans la population civile, la monde qui est là, qui a tiré, qui prend balle, qui ont même beaucoup lié là. Et malheureusement, il n'y a pas de soins pour eux, mais qui évacuent quand même avec famille. Donc, d'un côté, nous n'avons pas pénétrer pour évaluer, pour nous dire chiffre là, combien il y a. Mais au niveau de la police nationale, dit bravo, population bravo, mais effectif là, il est trop faible. Nous avons demandé au plus haut niveau pour renforcer la médaille, mettre pied à terre pour voir comment est-ce que nous avons mis monsieur ça. D'accord. Merci un peu, Wilner Awone, n'a pas rappelé aussi un point focal, la protection civile dans Akaye. Avant, on a parlé avec. Bonsoir Ismaël, bonsoir le monde, bonsoir l'Antigonite. Donc Ismaël, son plaisir pour moi, mesdames, disponible pour nous parler sur le problème pays nous. Donc pour nous répondre avec question dans l'émission, vous comptez la parole. Merci encore une fois, j'en dis là, nous parlons boucanter sous le département Antigonite. Département ça, nous connaissons la date 7 octobre, nous connaissons un massacre. Jusqu'à présent, nous pas qu'à parler des chiffres. C'est spéculer, n'a spéculé, mais le parler. C'est 3 octobre. Alors, c'est 3 octobre, merci. Et, okay. Par contre, ça, c'est là, je l'ai dit non, c'est pas que je t'ai parlé des galets blancs. Depuis 3 octobre, hein, nous gagnons plus de 100 mounes. Je parlais de plus de, on centaine de mounes qui mourit. Et ont mourit en bas, mais nég à exam, on gang qui relie cocorate sans race. Mais depuis lors, il y a une disposition qui prend. Alors, grand griffe. Il y a une disposition qui prend. Le Premier ministre lui-même, il descend. Là, il fait solidarité avec Mounio. Il a changé de direction départementale. La police là, ce qui est là-dedans, Paul Ménage, je dis à Caleb Exantus qui est là. Il y a des unités spécialisées qui allaient en renfort, soit avec IDMO dans le département. Il y a un blindé qui y veut. Jodi a c'est 23 octobre. Qui évolution gagne depuis présence autorité qui changé, visite autorité, blende gagne, la police nationale d'Haïti qui renforcé dans Antibonite. Qui évolution? Évolution qui gagne au niveau du département que nous connaissons qui gagne deux gros gangs puissants. Nouveau foyer de gang aussi qui fait des dégâts dans la communauté. Donc, mais et plus précisément, nous avons parlé de gang-gang-griffe qui trouvait du côté de Savienne en Palantibonite, donc qui n'en valait d'Antibonite, et ou bien gang cocorate sans race qui trouvait dans l'Antibonite, mais qui n'en valait pas, qui trouvait dans la Croix-Péris, dans l'Estère. Donc nous connaissons pendant, après, nous sommes capables de dire gros drame ça qui était arrivé dans Kafoupey, donc côté que était un renforcement qui était fait au niveau la police, donc j'ai envie de dire changement ça qui était fait là, mais gagner des interventions qui faites dans base cocorate sans race, donc jusqu'à présent, nous capables de dire, donc pas gagner de gros vraiment effet en termes d'attente population, hein, qui attendent que la police vraiment crase base gang, mais pour
la Tibonite, pas de jambe te kogue intervention qui te fait. Et côté que c'est gang gang griffe qui te toujours absorti à l'attaquer communauté yo malgré présence matérielle yo. Donc nous pas connaît si c'est temps yo ta prend pour yo te planifié, pour yo te planifié. Donc sous intervention yo. Et ce n'est que hier nous capable parler de la police donc qui était intervenu dans rentrée comme une petite rivière de la Tibonite qui trouvait et nan gen kafoupe côté que gang nan li té toujours kembe base li donc gang nan té toujours gen contrôle kafoupe après massacre li té fait malgré présence policier yo té dans commissariat pas de choix là donc allô oui on met avancer ou là on met parler on met avancer oui mais donc hier nous croyons que je nous dis le côté que gang nan te fouillé plusieurs trous donc pour te empêcher que lorsque yo fait attaque par rapport à présence ça mais quand même ça te dit en fait yo te commencé à prendre des stratégies pour yo voir comment yo capable et bien la police ta va rentrer à faire attaque sur yo donc ben c'est comme ça la police te prend disposition pour te al boucher tout ça que yo te fait dans zone Kafoupey devant pont Loa qui relie rentrer comme une petite rivière de la Tibonite avec route nationale numéro 1 dans zone Kafoupey donc lorsque la police te boucher vini rapidement te gen de gros affrontement entre monsieur Gagnon avec la police donc qui pas baisser les bras donc monsieur policier ont fait résistance donc mais ont joindre appui population qui était campé là donc qui était bouché toi pendant policier ont fait affrontement avec Gagnon donc tout de suite après ont fini bouché toi donc policier ont pas traité dans espace là Gagnon était levé dans lui yo te vin ou est débouché toi donc la police te retourné encore population te accompagné yo dans la matinée et bien côté que la police population policier yo te vraiment fait de gros affrontements avec bandi yo et yo arrivé bouché toi et pendant policier te l'affrontement avec yo t'as bouché toi yon équipe t'as bataille avec policier yo gen l'autre équipe qui t'a allé comme te gen affrontement qui prêt qui environ côté que fouillé toi yon li environ 150 mètres avec Kafoupey route nationale numéro 1 donc comme c'était jour marché les CLT hier moun yo té obligé prendre route jardin pour yo qui c'est dans zone Savary et gang nan té meton équipe l'autre gang qui t'a pral et bien kidnapper plusieurs timalérez qui t'a pral dans marché les CLT donc la police donc